Bonsoir, bienvenue au centre Pompidou. La bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous d'Effraction, donc le cycle des rencontres littéraires qui accompagne le festival Effraction tout au long de l'année. Le festival, dont la prochaine édition, la cinquième, aura lieu du 6 au 10 mars prochain. Et en préambule, on est vraiment heureux d'accueillir Mathias Sénard pour un grand entretien. Je les remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation et je remercie aussi Raphaël Laris qui va mener cet entrée-rien. Je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Monica. Bonsoir et merci d'être venu assister à cette rencontre avec Mathias Sénard qui aura trait au lien entre l'histoire et la littérature. Euh, ça fait 20 ans et quelques mois que vous êtes entré en littérature Mathias, puisque la perfection du tir a paru en septembre 2003 si je ne m'abuse. Et depuis, c'est devenu presque un cliché de vous présenter comme un écrivain qui, chez qui cohabitent magistralement l'érudition et la sensibilité. Un écrivain à l'ambition immense et c'est plus rare au moyen à la hauteur dont les livres se collent à la violence du monde et embrassent les époques. On reparlera bien sûr de la perfection du tir, de remonter le rénoc, du cycle oriental que constitue Zone, parle-leur de bataille de rois et d'éléphants, Rue des voleurs et Boussole, qui vous avez lu le Goncourt en 2015, puis de l'épopée Poitvine qui a suivi le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. Mais on s'attardera sans doute un peu plus spécifiquement sur votre plus récent roman, Déserté, qui est paru à la rentrée littéraire 2023. Sa brièveté contraste avec l'ampleur de quelques-uns de vos textes précédents, mais ces 200 pages s'attachent à récapituler le XXe siècle et le début du XXIe à travers deux lignes narratives qui ont la grâce, même si on peut y entendre des échos, mais qui ont la grâce de ne pas se rejoindre, mais offrent une extraordinaire méditation sur la guerre et le temps. Alors il y a d'une part un personnage anonyme qui fut un conflit en un temps et sur un territoire inconnu, et puis d'autre part un mathématicien, gloire de l'ex-RDA, Paul de Berre auquel est consacré un colloque sur deux jours de septembre 2001 qui ont marqué les mémoires. Ce sont deux histoires qui ont des rapports opposés à l'histoire. Dans un cas, faute d'éléments actuels, l'écriture en appelle à la poésie. Dans l'autre, l'archive abonde. La fille de Paul qui est au reste historienne permet de donner une narration qui est attentive aux détails. Et on peut y lire dans ce texte tous les fils de l'histoire. Il est écrit avec un grand H, paraissent rassemblés dans une main unique. C'est peut-être ou pas une définition hénardienne du roman. Mais on va commencer par la vôtre d'histoire, Mathias, si vous le voulez bien. Euh, alors, pour les historiens du futur, est-ce que vous avez en votre position des témoignages, des archives de votre vocation d'écrivain dans l'enfance ou l'adolescence Eh bien, bon bonsoir à, à toutes et à tous. Merci, Raphaël Léris. Euh de cette question alors il se trouve que euh, j'ai pas beaucoup de, de souvenirs d'enfance euh, liés à ça dépend à quel moment on arrête l'enfance à quel moment on passe à, à l'adolescence pour moi l'écriture c'est plus, plus lié à, à l'adolescence mais néanmoins il s'est produit quelque chose il y a quelques années vous savez quand, quand vous commencez à acquérir un, un un Petit renom dans votre région d'origine et que vous retrouvez votre ville natale eh, qui ignore, dans mon cas, là je suis allé au lycée, donc dans l'ouest de la France. Eh, vous retrouvez aussi des vos instituteurs de, de votre petit village où vous avez grandi. Et là, un jour, une institutrice vient me dire Ah, mais je me souviens très bien, quand tu avais 8 ans, tu disais que tu voulais devenir écrivain. Alors j'en ai absolument aucune idée. Euh, C'est-à-dire, ce n'est pas pour moi un souvenir, mais ben, on ne voit pas pourquoi euh, est-ce qu'elle inventerait ça aussi. Plutôt on imagine bien pourquoi elle pourrait l'inventer, puisque je le suis devenu. Moi je me voyais plutôt euh, dans les, les métiers liés euh, à l'espace, comme euh, beaucoup des gens de mon âge, euh, voilà, astronaute, euh, tout simplement pilote de navette spatiale, Mais... Euh, mais il semble-t-il, voilà, j'avais dit ça, de... que l'écriture m'intéressait. Non, pour moi, écrire, ça a toujours été un espèce de, une présence d'abord, à travers la lecture. J'ai plutôt commencé à être un lecteur euh, avant d'être un écrivain. Mais oui, c'est vrai que, je... écrivain, le nom, en tout cas, la, la, la profession, euh, devient un rêve pour moi à l'adolescence. C'est vraiment. Euh parce que ça allait avec plein de choses extrêmement passionnantes, être aussi euh, aventurier, euh, euh, voyageur. Euh, mais en même temps, j'ai toujours eu ce côté un peu ras de bibliothèque qui fait qu'il euh, fallait bien assumer aussi ce côté-là. Et, et donc oui, mais ça, ça vient plus tard, je pense que c'est quand, quand j'ai ouais, 13 ans, 13, 14 ans. Est-ce que vous avez une idée précise du moment où vous êtes aperçu qu'il y avait une collision, un point de rencontre entre l'histoire telle que vous pouviez l'apprendre dans les manuels ad hoc et la vie d'individus euh, comme celle de votre famille euh, Oui, je pense que ça, c'est vraiment un choc qui est assez jeune euh, et qui est lié à, à la découverte très soudaine quand j'ai, euh, là pour le coup, je pense que j'ai plutôt 11 ans ou 12 ans. De, de l'arme de mon grand-père. Et donc, mon grand-père paternel, qui dont je savais ça, oui, qu'il avait été euh, militaire, soldat, euh, euh, professionnel, parachutiste, qu'il avait été, euh, qu'il avait participé à, 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 non seulement aux guerres coloniales de la France, mais même à la, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Et, qu'il avait euh, des dizaines et des dizaines de médailles, euh, souvenir de ces de ces conflits, et on jouait parfois à se déguiser avec des, des morceaux d'uniforme. Mais je pense que là où, où m'apparaît vraiment le rapport à la violence de l'histoire, euh, au-delà des, des photos, je me souviens qu'il avait une, une photo avec, euh, mais ça je l'ai revu depuis avec euh, le général de Gaulle dans le carlingue d'un avion. Euh, euh, en Algérie, et c'est quand j'ai découvert l'arme, le, le, et, et que je l'ai pris dans ma main, ma main minuscule, qui trouvait cet objet qui n'était pas un jouet, qui avait tout de suite vu la différence entre un jouet pour enfant, une arme, et la vérité, c'était le poids, la masse, et l'odeur de la graisse, de l'huile. C'était un peu comme l'odeur d'huile de, de machine à coudre, un peu... Et, et évidemment, on m'a tout de suite retiré cet, cet, cet objet des, des mains pour le cacher un peu plus loin. Et c'est là que je me suis dit que il y avait une réalité quand même entre euh, les premières images de violence qu'on voyait à la télévision. Donc, je suis né en 1972, et pour nous, c'était vraiment la guerre du Liban. Euh, 82, j'ai 10 ans, c'est à peu près à ce moment-là. Et et puis la, la réalité de ce que je voyais dans ma famille, c'est et des, des récits euh, dont je pouvais commencer à entrevoir la, la réalité. Et même au-delà de ça, donc je me suis intéressé de, de, à, disons, au rapport de mon grand-père avec la guerre, et notamment parce qu'il avait des cicatrices. Euh, et donc je, je lui ai demandé mais ces cicatrices, alors elles viennent d'où Et il m'a dit du combat au corps à corps, de l'Indochine. Et ça, c'était non seulement extrêmement effrayant, quand même, de se dire que voilà, il y avait des armes euh, tranchantes, donc du, coup, qui, du combat qui avait touché de près euh, le corps de, de mon grand-père. Et aussi, c'était un, voilà, une espèce de d'intérêt quand même euh, pour les lointains. C'était l'Indochine, c'était un pays qui n'existait plus dont on à quoi ça ressemblait Qu'est-ce que c'était qu que, 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 que Hanoï, Saigon, tous ces endroits-là où il avait passé quand même une grande partie de sa vie et où il avait rencontré ma grand-mère. Donc c'était euh, tout d'un coup cette, cette présence de l'histoire, elle était là, elle était dans les corps, elle était dans les objets, elle était tout autour de moi. Et même il y a d'autres secrets de, de famille qui ont été, qui m'ont été dévoilés bien plus tard, petit à petit, qui ont trait aussi euh, à cette violence de guerre et notamment à la, à la guerre d'Algérie. Et, et, et tout ça euh, fabrique un espèce de, de, de rapport immédiatement entre l'intime, le sensible euh, et, et l'histoire, pensais-je. <laughs> Vous avez eu 18 ans en 1990, qui est l'année où a été décrétée, si je ne m'abuse, dans un célèbre essai de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire. Oui. Euh, C'était celle de la, la fin de la guerre froide. Est-ce que vous croyez que ça raconte quelque chose de l'environnement où vous avez accédé à l'âge adulte euh, Non, cette fin de l'histoire, je ne pense pas que ce soit un grand moment de la pensée. Oui, oui, mais, mais c'était un, oui, oui, un, un slogan qui était partout. Oui, c'était un slogan qui était très important. Pourquoi Parce que bah, c'est sûr que cette... Euh, cette fin d'un bloc, c'était... Alors moi, je me souviens bien à ce moment-là. Bon, justement, j'ai 18 ans. Euh, moi, ma, ma première langue à l'école, c'était l'allemand. J'ai fait beaucoup d'échanges en, en Allemagne et notamment dans, un, dans une petite ville euh, qui est vraiment à la frontière entre... Euh, la, la RFA de l'époque et la RDA, un village, non, une, une ville qui s'appelle Coburg. Et on nous emmenait, c'était une excursion avec nos correspondants allemands, visiter la frontière. Alors vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut visiter une frontière Une frontière, c'est une ligne, ça ne se visite pas. Mais ainsi, il y avait des tours organisées justement pour les écoles, euh, où on visitait les installations donc, de, de la frontière, c'est-à-dire non seulement les tours d'observation, le No Man's Land, enfin pour sa partie bien sûr RFA, euh, on, on parlait avec les, les gardes frontières de l'Allemagne de l'Ouest et on mangeait dans leur cantine. Et ils nous accueillaient, et puis voilà, on pouvait faire un tour euh, visite de la frontière. Donc, pour nous, c'était vraiment, il y avait une réalité dans ce... Et on nous expliquait que s'ils observaient, c'était surtout voilà, au cas où il y avait des réfugiés qui, tant bien que mal, essayaient de franchir depuis l'Est euh, et qui se blessaient soit sur les mines, soit parce qu'on leur tirait dessus depuis euh, l'Allemagne de l'Est pour pouvoir être là pour, euh, pour les secourir. Ce qui était un discours de propagande un peu... Euh mais qui, voilà, qui était très, 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 très répandu euh, à, à l'époque. Et, et donc, quand le, le mur tombe, en 89, euh, cet été-là, je vais en Allemagne. Je retourne à Cobourg, parce que j'ai un, un excellent ami que j'ai conservé jusqu'à aujourd'hui, euh, qui, qui m'y emmène, et on, on, allemand. donc Et on décide d'aller en Allemagne de l'Est. Et donc lui, c'était son premier voyage dans ce qui avait été tout le temps, tout le temps de, son, de, de sa jeunesse et de son enfance, le territoire qui était euh, à quelques kilomètres de chez lui et qu'il ne connaissait pas plus que moi. Et, et puis c'est assez... Alors il y avait des légendes. À l'époque, on vous disait, oh là là, vous allez avoir mal à la tête, parce que c'est très pollué, tout ça. Donc vous allez avoir très très mal à la tête euh, à cause de leur fameux moteur de temps, de... Bref, bon, énormément de... Et puis on s'est rendu compte que voilà, bon, la, la campagne d'abord ressemblait, était même franchement la même que celle qui avait de l'autre côté de cette fameuse ligne de frontières. Et puis c'est vrai que le, les, les, les villes étaient, euh, étaient beaucoup plus noires, comme Leipzig à l'époque, qui avait été un peu le, le cœur de la, de la révolution euh, en Allemagne de l'Est, euh, était encore une ville noire de, 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 de charbon, et, et, et qui a beaucoup beaucoup changé depuis. Mais néanmoins... Bon, il y avait une espèce de naturel de, de, de passer de l'un à l'autre. Et, et cette idée que, puisqu'une idéologie s'effondrait, un mode de gouvernement, d'ailleurs, puisqu'une idéologie euh, disparaissait, qui était automatiquement absorbée par l'entité le, voisine, euh, on avait du mal à se dire mais pourquoi est-ce que cela constituerait une forme de fin de l'histoire Qu'est-ce qui. Et très vite, évidemment. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi un peu, par exemple, à ce moment-là, qui me touchait peut-être plus, la fin aussi de, de la guerre du Liban, de la première guerre du Liban, les accords de taef mettre fin aux violences euh, sur le territoire libanais pendant euh, plus de plus dix de ans. Mais et, et très vite vient tout simplement la, la guerre en Yougoslavie. Et ça, c'est à peu près. C'est presque concomitant, hein. il n'y a que deux ans d'écart entre les deux. Et donc on voyait là plutôt l'histoire en marche, plutôt qu'une certaine fin de l'histoire où tout se serait arrêté dans le, dans le bonheur de la célébration de la victoire capitaliste. Euh, on voit bien qu'au contraire, euh, disons, la déliquescence de ces, de ces régimes euh, socialistes, appelons-les comme on veut, se passe pas forcément toujours le mieux du monde donc oui ça pour moi c'est un moment c'est ça entre le moment où j'ai 18 et et 20 20 ans ça fait partie vraiment de oui de ce que je vois au quotidien oui. Alors, de ce que vous me dites sur, sur euh, cette fréquentation euh, adolescent de, de, de l'Allemagne et de cette frontière, euh, on, on sent du coup que les les, les les graines de déserté qui ont été plantées il y a très très longtemps, euh, puisque donc déserté se passe en partie. Euh, euh, enfin, a, a, a beaucoup trait euh, à l'histoire de l'ex-RDA, euh, mais euh, les deux événements, dont, les deux autres événements dont vous, vous parlez, la fin de la guerre du Liban et le début de la guerre, la guerre en Éthiopie-Slavie, euh, ça, ça c'est aussi le sujet de votre premier roman, euh, qui est la perfection du tir. Euh, qui est euh, donc ce monologue d'un tireur d'élite qui ne se remet pas euh, d'avoir euh, tué, qui ne s'en remet pas, même libidinalement, enfin, quoi. C'est un, une espèce de, de, de mode d'existence. Euh, voilà, et, et ce texte-là naît de cette double, à la fois du Liban et, de, et du souvenir de. Non, il n'y a de de pas de Yougoslavie à l'époque, je ne connais pas. C'est vraiment euh, le, le Liban. D'ailleurs, j'écris une grande partie de la première version du texte à Beyrouth. Euh, où je réside à l'époque. Le, pour moi, le, le, la perfection du tir. Même si j'ai enlevé tout à fait consciemment tous les noms propres, euh, le, c'est vraiment, c'est vraiment Beyrouth. Euh, tous les, tous les gens qui connaissent un peu Beyrouth, qui, qui lisent le livre, reconnaissent immédiatement la ville. Euh, pourquoi est-ce que j'ai retiré euh, toutes, les, toutes les allusions très précises à la guerre du Liban, justement pour ne pas être tenu par l'histoire, c'est-à-dire pour pouvoir euh, m'éloigner un peu de la réalité historique de ce conflit qui a quand même voilà, duré euh, plus de 20 ans, et, et donc pour pouvoir en fait euh, être plus libre dans la narration. C'était un, un parti pris que j'avais à l'époque. Je pensais que. Euh, D'abord, je croyais qu'il fallait. Euh, puisque j'étais tout à fait conscient de ce qu'était l'histoire et l'écriture de l'histoire, euh, que le roman devait s'en éloigner. Que le roman, euh, la fiction, devait justement ne surtout pas rentrer dans, dans les territoires euh, de l'écriture historique. Et, et que donc. Euh, un roman, une fiction, euh, bah, c'était quand même mieux si elle était complètement dénotée euh, et fabriquait un, un monde euh, à soi, euh, mais qui, ne rentrait, pas, euh, qui ne, ne, voilà, ne rentrait pas ni en concurrence, ni en collaboration avec euh, ce, que peut être, euh, les manuels, ce que peuvent être les manuels d'histoire. Donc oui, ça, ça a été pour moi... Euh, bon, c'était un long processus hein, pour arriver à l'écriture de la perfection du tir. Puisqu'au départ, tout, tout au long des années 90, j'ai une, une espèce de première carrière un peu académique, euh, universitaire. Et puis à un moment, justement, l'écriture universitaire me, me paraît trop corsetée. J'ai envie de, de, de liberté, d'imaginaire. Et c'est là que je commence à écrire ce, ce, ce premier texte. Et. Donc, oui, dès le départ, il y a quand même cette, cette, ce rapport avec le, le, le réel, même si, d'une certaine façon, dans l'imperfection du tir, je m'en éloigne. En tout cas, j'ai un peu l'impression de prendre mes libertés avec ce qui s'est réellement euh, passé à, à Beyrouth pendant les 15 dernières années. Mais, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, si je réécrivais le livre, je, je remettrais les noms des euh, endroits, les noms de, de villes et puis le, le nom de, de Beyrouth, très certainement. Et alors qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur cette question euh, donc, alors, Après, il y a deux, deux autres livres, Monteloreinoc et Brévière des Artificiers, mais il voilà, y a Zone qui arrive en 2008, euh, qui est ce, ce, ce grand livre écrit... Euh, d'un souffle, euh, d'un du, long souffle, <laughs> euh, d'une traite, et qui, euh, lui, plonge les deux pieds dans l'histoire. Est, est, on, est, on est donc dans un, dans un train, aux côtés d'un homme qui va remettre une, une valise pleine de secrets euh, au Vatican, aux archivistes de l'éternité. Euh, et on a vraiment les deux pieds dans le sang du XXe siècle euh, à plein. Oui, justement, je pense que voilà, là, il s'est passé quelque chose entre les deux euh, que, disons que je crois plus. D'abord, à moi, ma, ma capacité, ma, ma possibilité réelle de décrire des, des romans, euh, puisque quand on écrit un, un premier roman, si jamais ça vous arrive, on ne sait pas si on, un, si on sait pas si on va le terminer. Vous commencez quelque chose, mais vous savez absolument pas si vous allez aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, on ne sait pas du tout s'il va être ni publié, ni lu, ni rien tout ça. On peut l'espérer, mais quand on est en train de l'écrire, on est, euh, oui, un peu solitaire, abandonné. Euh, et donc, j'étais pas trop sûr de euh, ma capacité à pouvoir peut-être jongler avec beaucoup de balles, euh, comme je le fais dans Zone. Voilà. Il y a ça, je pense, une espèce de, de, de liberté, en fait. Je pense que vraiment, au fil du temps, j'ai appris un peu à me sentir de plus en plus libre avec, euh, avec la littérature. Les zones, c'est vraiment un, un premier moment de, de libération. Je me dis, bah, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. T as, t as envie d'écrire... Un... Un roman qui se passe dans un train, euh, où il y a un kilomètre par page entre Milan et Rome, bah, fais-le. Cette... Voilà. Et, et puis, le, je pense que le, le, la relation avec l'histoire, elle aussi, euh, était devenue plus, plus libre. Je, je voyais comment je pouvais, justement, par cet intermédiaire entre euh, ressenti euh, euh, extrêmement physique, sensuel et réel, euh, raconter des événements euh, historiques, ou en tout cas les, les incorporer hein, dans une espèce de, de grande machine à laver qui, qui, qui mélange à la fois euh, des personnages complètement imaginaires, mais qui eux vont croiser à leur tour des personnages tout à fait historiques. Et, et ça, ça m'a pris du temps avant d'y parvenir, ouais, à cette liberté-là. Parce que alors, Zone vous vaut le, le, le surnom de James Joyce, poids de vin, disons. Euh, et Joyce est l'auteur de cette phrase l'histoire est un cauchemar dont je cherche à me réveiller. Enfin, c'est Dédalus qui ouais, dit ça. Là, oui, ça. Euh, vous positionnez comment par rapport à cette phrase et comment vous l'interprétez Alors, James Joyce a visité Niort, figurez-vous. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, Joyce a même écrit un, un poème dans lequel il est question de Niort. Autant pour Michel Welbeck. Mmh, voilà. Et un poème qui est une parodie du wasteland de T.S. Eliot, assez drôle. Euh, où évidemment, il pleut tout le temps à New York. Bah, je ne sais pas si c'est très loin <laughs> de ce que pense Michel Welbeck de New York. Mais, mais en tout cas, il y a ça. Euh, non, l'histoire, c'est un cauchemar. Oui et non. C'est très difficile. On ne peut pas juger l'histoire c'est un récit voilà, tout simplement Et le récit de nos malheurs le récit de, de, de nos bonheurs le récit de de ce que nous avons été de quelle façon, comment des sociétés humaines de, de, de la planète de l'histoire de, de choses qu'on penserait aussi à historique que, que les couleurs par exemple que, euh, voilà L'histoire, c'est le fait de raconter. Il si, n'y si a pas d'histoire sans récit. Donc moi, je ne le vois pas vraiment comme un, comme un cauchemar, même si euh, ce sont les hommes qui... qui c'est ce qui se passe au quotidien. C'est plutôt le journalisme qui est un cauchemar, si on va par là. L'histoire, non. L'histoire fait le récit de toutes ces atrocités, mais, mais pas exclusivement, bien sûr. Et nonobstant, dans Zone, on lit cette phrase. Alors, euh, peut-être que vous, vous n'êtes pas euh, Francis qui l'a dit, qui est L'histoire est un conte de bêtes féroces, un livre avec des loups à chaque page. Ça, c'est vrai. Oui. Non, mais justement, c'est un récit, c'est un livre. Et oui, oui des, des bêtes tout à fait féroces, et des, et des loups, et des, et des monstres. C'est vrai. Et, mais c'est toujours. Euh, vous voyez, il y a des gens, dans les années... En 1990, on vient d'en parler, qui se disaient, oh, c'est la fin de l'histoire, le bonheur pour tous, capitalisme triomphant, on va tous être beaux et riches. Et, et non. Et puis, on s'aperçoit que, finalement, depuis des siècles, l'humanité cherche à se débarrasser du fléau de la guerre, par exemple. Or, on arrivera très certainement à se débarrasser de la maladie beaucoup plus facilement que du fléau de la guerre finalement. On arrive beaucoup plus simplement aujourd'hui à combattre une épidémie mondiale qu'un conflit entre deux nations. Euh, donc l'histoire bah, raconte ça, raconte que oui. Euh, en 1345, on, on a été balayé, et la moitié de la population européenne avec elle, par, par la peste, et que, mais aussi voilà qu'on qu a euh, écrit euh, des, des romans, des poèmes, des histoires de, de chevaliers. Et aujourd'hui, on fait exactement la même chose. L'histoire fait le récit, et, et dit, malheureusement, constate que peut-être que euh, pour l'humanité, l'État naturel n'est pas la paix, mais la guerre. C'est probable. Si on faisait une, une immense histoire, on verrait que les périodes de, de, de paix sont bien plus courtes que celles de guerre, par exemple. Hein, que, voilà, quelque part dans le monde, il y a toujours des gens qui s'entretuent. Se, avec un plaisir plus ou moins dissimulé d'ailleurs chez eux, selon les endroits et les moments, mais euh, c'est une réalité. Donc oui, oui, c'est vrai que en ce sens, l'histoire est un peu un livre où il y a des monstres à chaque page, mais ce n'est pas forcément la faute de l'histoire. Um... À zone euh, euh, par le de roi de bataille d'éléphants. Euh, et puis, il y a euh, rue des voleurs. Attendez, j'en oublie un. Avant Boussole, non. J'ai un... C'est euh... <laughs> ça Non, c'est ça. Non, c'est ça. 2010, par le de bataille. 2012, 12, rue, des, rue voleurs. des voleurs. 2015, Boussole. 15, boussole. Euh, vous, vous les avez conçus ensemble, euh, plus ou moins, comme un grand cycle. Euh, Pas du euh, tout. Non. C'est en ça? faisant. Oui, oui, oui. Vous, non, vous, vous, vous constatez que vous avez un cycle oriental. Ah oui, oui. Non, je le constate, existe. mais à posteriori, mais je n'ai pas, ouais. euh, pas pensé avant. Non, non, pas c'était pas pensé comme tel, en tout cas. Mais oui, ça s'est avéré. Euh... Euh... Après, il y a dans Boussole un peu le... cette espèce de, de double regard, à la fois orientaliste, très, très historique, euh... comme le petit livre sur Michel-Ange. Qui parle le rôle de la taille de, de, le roi, de bataille le roi et d'éléphant, qui a une vision là assez, alors c'est pas idyllique, mais quand même assez belle de, de ce que peut être euh, les rencontres et l'humanité par moment et l'art et le, le, la beauté. Bon, on n'est jamais très loin du meurtre quand même, mais et, mais dans, avec un ton extrêmement, tout à fait conscient, extrêmement orientalisant, orientaliste. Et puis Boussole, qui, qui prend un peu de la distance avec ce type de récit et, et montre un peu voilà, comment est-ce qu'ils ont été construits, qu'est-ce que c'est que cette, cette histoire, cette aventure du regard euh, orientaliste, de quelle façon est-ce qu'on a cherché à le déconstruire, comment cette, cette déconstruction n'a jamais été vraiment possible à cause de la domination coloniale. En gros, voilà le, le, le récit de, de Boussole. Et donc oui, c'est vrai que... que ces récits sont liés aussi à Rue des Voleurs. Pourquoi Parce que le, le, le principe de Rue des Voleurs, c'était de raconter l'année 2011 euh, pratiquement en direct. Le livre est publié en 2012 et j'arrête d'écrire, je crois, en, au printemps 2012. Donc, 2011, qui était l'année la, du, du petit Jésus de l'actualité, euh, printemps arabe... Voilà, exactement, euh... printemps arabe, mais aussi... Ce <laughs> qui, moi, j'habite à Barcelone, et le, il s'est passé aussi à Barcelone des événements politiques extrêmement importants. Euh, une, vraiment ouais, une forme de, de micro-révolution à l'échelle de la ville dans le mouvement qu'on a appelé le mouvement des indignés. Et la... Coïncidence dans le temps entre ces deux mouvements, ce qui se passait dans le monde arabe et ce qui se passait en Espagne, même si c'était pas du tout lié, et, mais avait pourtant des, des rapports générationnels. C'est vrai que ça, c'était les, les mêmes, euh, les gens du même âge qui faisaient, qui participaient à ces mouvements et, et avec des destins euh, comme l'autre extrêmement, extrêmement différents. Ça m'a tout de suite frappé. Je me suis dit, mais voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un mouvement justement qui viendrait du sud vers le nord? Et, et donc, un voyage, le voyage de ce, de ce jeune euh, Lardar euh, qui va de, depuis Tanger jusqu'à jusqu Barcelone, en portant avec lui aussi un peu voilà, des espoirs de ce que pouvait être voilà, une forme de jeunesse arabe, entre, entre guillemets, dont on a vu et on voit aujourd'hui très tristement, euh, 12 ans après, que euh, bien évidemment toutes ces révolutions n'ont n'ont pas donné grand-chose à part des, des déceptions et là aussi Boussole se fait un peu le l'observateur le, le, le roman en tout cas observe cela déjà quelques années plus tard au moment de au milieu on va dire de la, de la guerre civile en en Syrie et des différents effondrements qui ont eu lieu dans le monde arabe depuis l'année 2010-2011 donc mais ça, je peux le dire maintenant. Évidemment, à l'époque, je étais pas du tout conscient. Euh, il y a quelque chose comme ça de, de, de commun euh, dans ces trois livres. Et ça fait raison. Et vous voyez comment on, on va de l'un à l'autre. On qui le vous. ah moi. Euh, parce que pour le lecteur, je pense que c'est autre chose. Le, le, le... le lecteur, c'est vraiment trois univers très différents. Des écritures très différentes. Trois des écritures les très Alex différentes. De parler euh... leur de, de, de bataille de. Vous êtes très renseigné. Et... Et oui, oui, c'est très, très différent. Euh, donc, euh, mais même moi, je pense qu'au moment où je les écris, je ne me rends pas compte qu'il y a comme ça voilà, quelque chose qui, se, qui, qui me fait passer de l'un à l'autre, en fait. Euh, pourquoi Parce que les projets se chevauchent très souvent. C'est-à-dire que Boussol, je l'avais commencé euh, sans doute avant... Euh, non, c'est sûr, avant de commencer rue des voleurs, euh, Parleur de bataille avait été commencé en même temps pendant que j'écrivais Zone, puisque c'est au moment où je suis en train d'écrire Zone que je découvre cette histoire de la visite, possible visite de Michel-Ange à Istanbul. Bref, donc les livres pour moi se chevauchent toujours un peu et, et ils sont pas des, des, des conséquences directes, mais ils peuvent euh, voilà, être superposés dans le temps pendant pas mal de temps. Ouais. Puisque le premier livre que je commence après Zone, en réalité, c'est le banquet annuel de la confrérie des faux-soyeurs. Qui pour le coup est paru en 2020. Pour le coup est paru en 2020, oui. Voilà. Donc il y a quand même euh, oui, des moments de chevauchement assez, assez importants. Donc j'ai du mal à, à voir si pour moi il y avait des rapports, de quelle nature est-ce qu'ils étaient entre les différentes écritures des livres. Alors quand vous avez des, des projets concurrents comme ça en, en chantier, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui emporte le morceau et qui devient le texte en cours Je sais pas, c'est mystérieux. Ça peut être géographique, ça peut être le fait que je me trouve à tel endroit euh, et que je me lance. Ça peut être, euh, ouais, une question du temps. Ça peut être ce qui se passe autour de moi. Je saurais pas dire en fait. Je saurais pas dire. C'est, je sais pas si comment, on... comment on fait avancer des. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avancer Une espèce de course d'escargot, là, on en aurait plusieurs. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi il y en a un qui va plus vite que les autres vers la salade, quoi, en gros. C'est un peu ça. Et... <laughs> Autrement connu comme le prix Goncourt. Autrement connu, <rire> voilà. <rire> Exactement, voilà. Okay. Tout ça, ce sont des, des histoires d'escargots. Oui, je ne saurais pas dire pourquoi, euh, à part certaines circonstances très précises, qui fait que euh, je me retrouve, par exemple, à avoir, euh, je sais pas, deux mois devant moi dans un endroit euh, Z, et, et que je me dis tiens, bah là je vais, euh, je vais, avancer ça. Voilà. Mais c'est sûr que ça, si on, si j'étais un peu plus attentif à, à moi-même et il euh, y a sans doute des, des je sais pas, des espèces de vagues liées à, à ce qui se passe autour de moi, à ce qui m'importe, ce qui me touche, euh, qui font que je me dise non, il faut que j'avance là, c'est possible. Parce que j'allais dire le, le côté crépusculaire de, de Boussole, enfin c'est pas crépusculaire puisque c'est nocturne, mais disons qu'il y, y a quelque chose d'une de, 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 fin, euh, qui, dans une atmosphère euh, comme ça, d'une de, de, chose qui se termine, qui, qui imbibe l'écriture et la, la, la voix de, de Franz dans, mm -hmm. dans Boussole. Euh, ça, ça n'a pas à voir avec le fait que ça serait la fin de ce cycle... Euh, Orientalisant, euh bah, ou non, est, je crois pas. Enfin, en tout cas, je pas par le désespoir tout comme ça. de l'homme qui a vu la Syrie s'embraser. Ah, si, si, voilà. ça, oui, ça, ça, oui, oui plus, bien sûr. Ça, oui, oui, ça, c'est clairement ça. C'est vraiment, Boussole, c'est vraiment le, pour moi, le, le moment de la, de la tristesse de la, de la guerre civile syrienne. qui y a quelque chose qui est là, tellement horrible qu'on ne veut même pas regarder vraiment en face. Euh, de toute façon, on ne veut pas y aller. Donc, on voit revenir les, les, les débris humains presque, hein, les gens qui fuient, qui s'en vont, qui, qui se retrouvent tous en, pour beaucoup en Allemagne. À l'époque, je suis à Berlin, donc on, on accueille beaucoup de réfugiés syriens, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Les, et, donc oui, Bruxelles, c'est un peu aussi ça, ces, ces, ces moments extrêmement dramatiques de, de l'histoire de la Syrie, qui continue à hein, être un, un pays... Pour, détruit dans une situation terrible et encore rien n'est résolu au nord-ouest de la Syrie. Bref, c'est une situation atroce mais dans un espèce de, de statu quo, dans lequel rien ne bouge vraiment, à part justement un ou deux obus au nord-ouest de temps en temps, et, et un ou deux ouais, ben, missiles israéliens, pas trop, qui visent à part les Iraniens. Donc c'est un... Mais je, je, je parle de ça parce que j'ai recommencé, vous voilà, dire, oh, il l'a recommencé, <laughs> un, un livre qui serait plutôt, euh, plutôt arabe. J'ai envie de retourner au Moyen-Orient par l'écriture et de m'intéresser euh, au monde arabe. C'est un, un projet très ambitieux. C'est raconter un peu l'histoire de l'Est, du monde arabe, mais pas que l'Est, essayer d'être un peu exhaustif sur le, le monde arabe entre les années 50 euh, et aujourd'hui. C'est-à-dire 70 ans à peu près de, de monde arabe, ce qui s'est passé, justement toutes les, tous les espoirs hein, politiques déçus les uns après les autres. Et, mais essayer de comprendre un peu pourquoi et comment, mais depuis voilà, le niveau le plus, le plus humain et le plus sensible. Euh, je je, je n'ai pas mentionné un texte, qui, qui, un livre qui paraît en 2013, « Tout sera oublié », une BD que vous avez ah, oui, très, faite oui. avec, euh, avec Pierre, ouais. Pierre Marques, euh, qui, qui a pour, euh, pour décor euh, Sarajevo, euh, qui nous dit que les souffrances euh, d'hier n'existent que dans la mémoire des hommes et qu'elles vont passer à la trappe euh, ah oui, mais très ça, vite. Ça, je pense qu'on est justement dans un de ces moments-là euh, de, de disparition d'une d'une génération euh, la génération qui a vécu toute la première moitié du XXe siècle y compris la Deuxième Guerre mondiale qui est un peu une, une fracture entre première et deuxième moitié s'est euh, éteinte ou presque et la génération qui est en train là, de, de, de commencer à disparaître c'est celle de ceux qui ont entendu qui ont connu les témoins et, et là, on passe encore à, à autre chose, c'est-à-dire de, de ceux qui... Euh, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, qui a tué la femme du facteur, comme dirait Jean Rollin. Hein, nous, on commence à, à s'éloigner dans le temps et à, voilà, à avoir une autre distance, un autre rapport avec ces événements euh, et ces générations-là. Donc il y a, il y a toujours des, des, des moments comme ça de basculement euh, euh, qui sont assez, assez terribles. Et on voit là, par exemple... Euh, on le voit pour les commémorations. Commémorer, c'est le moment justement où officiellement l'État compte et vous dit bah, nous n'avons plus d'anciens combattants. Euh, je me souviens très bien de la. J'avais écrit un papier à l'époque pour un journal serbe euh, sur la, la, la mort du dernier poilu. Donc on avait su voilà, c'est le dernier. Et c'est assez étrange de se dire ça. Non, c'est voilà, le premier homme. Et dont on se souviendra, pourquoi Parce qu'il a été le dernier à mourir parmi ceux qui ont souffert et qui ont combattu dans, dans la Première Guerre mondiale. Et donc on sait que cette génération n'existe plus, enfin, en tout cas ceux qui ont connu vraiment la, la, la Première Guerre mondiale a, a disparu. Et ainsi de suite pour la, pour la Deuxième. Alors, il en reste encore quelques-uns, on les compte à chaque fois. Et. Et puis on avance toujours ouais, terriblement vers le, 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 à la fois la perte et en même temps le, le souvenir. Et tout ça reste exclusivement dans les, dans les livres et dans les, et dans les récits hein, qu'on en fait. Cette, vous avez dit cette mé mémoire des hommes, mémoire des, des humains aussi. Hein, parce que... On, on ne sait pas si c'est une promesse ou une menace. Ce, ce tout sera oublié, qui, qui résonne d'une certaine manière avec une phrase de, de déserté où le, le soldat anonyme adresse à Dieu une prière Notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre oubli quotidien. Oui, c'est vrai. Ben, c'est certain que, que malheureusement, hein, euh, tout sera oublié petit à petit. En tout cas, euh, on, on voit bien. quest qui. Il euh, y, y a des grandes époques comme ça. Hein entièrement euh, vide de souvenirs pour nous au quotidien. On, on, a, on, on avance et puis euh, le temps euh, euh, nous pousse aussi euh, à l'oubli. Voilà, tout simplement, les maisons s'effondrent, les, les cataclysmes, euh, le changement climatique, tout ça, c'est des choses qui nous préoccupent peut-être plus, et à raison, hein, que euh, tous, tous ces, ces milliards d'hommes qui nous ont précédés. Parce qu'il y a quelque chose d'assez troublant. Je ne sais pas si vous avez posé cette question. Euh, c'est combien d'hommes sont passés sur la Terre, d'êtres humains, hommes et femmes Combien sont-ils Combien sommes-nous, en fait Combien de destins Et est-ce que les morts sont plus nombreux que les vivants Alors, ça, on peut le calculer mathématiquement c'est une sorte d'intégrale, on va dire, euh, de la, la fonction mort qui amène monsieur ou madame machin de vie à trépas et on compte et on se rend compte que les, les, les morts sont bien plus nombreux que les vivants et, mais personne ne se souvient évidemment n'assume hein, le, le, le récit de toutes ces existences et, et, et de tous ceux qui sont passés sur cette terre et c'est un peu aussi c'est un des projets en tout cas de, de, de la littérature de, de, de de raconter voilà, tout cela et que ce soit accessible quelque part pour celui qui a envie de savoir. Euh, presque, on pourrait faire un répertoire par nom, euh, essayer de, de reconstituer. Borgésien en de... diable. Un, un truc. Alors, borgésien, ce serait si on inventait les noms euh, en disant tous les noms sont possibles, on va, on va tous les inventer. Non, ça, ce serait plutôt reconstituer une forme de, de, de tour de Babel où il y aurait un, une seule langue euh, qui serait, le, ce serait juste le nom. De ceux qui sont passés sur Terre. Vous nous avez parlé de votre... donc là on découvre un peu votre passion des mathématiques si on n'a pas lu déserté ou elle éclate au grand jour. Ah euh, oui c'est vrai. Oui. Ouais, c'est une, une... Ouais, une passion. Euh... Pas une passion non c'est un, une façon je sais pas c'est un, un intérêt j'aime bien les mathématiques ça m'intéresse euh... c'est une, une vision aussi du monde c'est un, une construction humaine. Qui est à la fois, justement, elle est intérieure et extérieure, elle est abstraite et concrète. La mathématique, c'est à la fois ce qu'on pourrait dire, quelque chose d'abstrait, qui n'a pas de, de, de réalité tangible, et qui en même temps a un effet tout à fait réel hein, sur, sur ce que l'on voit. Euh, le, le mieux pour se rendre compte de ça, c'est de se dire bon, est-ce que j'arrive à dessiner un cercle En fait, vous n'y arrivez pas. On n'y arrive pas, hein, avec un cercle parfait n'arrive pas il y a toujours bon. pourtant le cercle il existe il existe dans nos têtes il existe dans sa réalité mathématique il a une réalité il existe et, et donc ce, le, les mathématiques sont à la fois un outil pour d'autres sciences mais aussi une construction en soi qui est un peu voilà notre rapport un rapport qu'on pourrait avoir presque parfait rêvé avec le, le, le monde le contraire de l'histoire non ça va avec, oui le, ouais, le contraire au sens euh, euh, non parce que il y a aussi une histoire des mathématiques ah, c'est Ce une histoire utopique c'est vrai que c'est un espace utopique c'est un espace aussi universel euh, c'est à dire que toutes les civilisations ont compté, toutes les civilisations sont intéressées aux mathématiques, elles ont toutes progressé c'est un monde de partage il n'y a pas de brevet en mathématiques vous n'êtes pas dit euh, tiens est-ce qu'on donne de l'argent euh, à M. Thalès parce que on utilise son théorème non hein. il a donné son théorème et puis euh, voilà euh, donc c'est aussi un monde qui a une certaine euh, générosité après les mathématiciens ne sont pas forcément tous des gens euh, très généreux mais néanmoins voilà il y a cette, cette, ce partage euh... Cette, cette vision du monde qui, moi, me, me, me passionne. Je trouve que c'est beau, ça. Euh, vous parliez de, 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 ce qui... enfin, de ce qui nous était antérieur, et on, on peut se dire qu'au fond, le, le sujet de déserter ça, on pourrait le résumer comme que, comment on organise la mémoire Qu'est-ce qu'on fait des traces Est-ce que ça vous irait, ça, comme, comme pitch Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est. C'est certain, le projet du livre, le, 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 premier, le moment où il m'apparaît, c'est de me dire comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire du XXe siècle d'une façon euh, extrêmement simple. Pratiquement, genre le XXe siècle pour les nuls. Trois, trois histoires très évidentes, faciles à raconter de, de ce qu'a ce qu été voilà, ce, ce, ce siècle vu d'aujourd'hui vu de 2020 au 2022. Et donc je me suis dit, voilà, il faut, il faut que je trouve un moment, une façon de raconter, de revenir en arrière, de revenir encore en arrière. Et c'est vrai que le, le, cette question de ce qui reste, finalement, de, des traces de l'évolution, de, de ce qui a passé, de, euh, les sources en fait. Hein, J'aime beaucoup ces mots qu'emploient les historiens quand ils disent « on a des sources »,« on utilise des sources ». Euh, pourquoi parce qu'une source c'est aussi quelque chose d'extrêmement de, de, beau qui chante, qui, qui coule comme ça, c'est pas forcément un, un vieux papier dans un carton oui c'est aussi un vieux papier dans un carton mais, mais euh, ça, ça vient de, de, de la nature c'est quelque chose qui jaillit. et et donc oui je, 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 je voulais qu'on qu qu touche un peu les sources, c'est pour ça que le personnage d'Irina qui est celle qui nous raconte l'histoire de, de, de ses parents principalement, qui est un peu notre guide hein, dans, dans le livre et euh, elle utilise les sources qu'elle a voilà, à sa portée et ses sources pour faire son, son histoire à elle du, de ce XXe siècle, c'est la correspondance entre ses parents. Que vous avez eu beaucoup de plaisir à écrire, non Oui, c'est vrai. Oui, oui j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette correspondance. Euh, donc entre un, un mathématicien euh, est-allemand et une politicienne de l'Allemagne de l'Ouest, euh, raconter cette histoire d'amour, écrire une correspondance amoureuse qui va donc depuis euh, les années euh, 1930 jusque dans les années 90. Donc qui ne couvre pas tout le siècle, mais quand même une grande partie du siècle. Et pourquoi Parce que écrire cette correspondance, c'était se dire, mais comment est-ce qu'on écrit une lettre d'amour quand on a 18 ans, quand on en a 20, quand on en a 30, quand on en a 50, quand on en a 60. C'est évidemment des moments différents. Et, et moi, il fallait que je me pose cette question. Voilà, qu est -ce, comment est-ce que... Paul Hudbert, ce personnage, pouvait écrire quand il avait 20 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec la façon dont il écrira plus tard Qu'est-ce que ça a à voir avec sa passion des, des, des mathématiques Avec son, son amour pour, euh, pour cette femme qu'il vénère et, et comment est-ce qu'on peut voilà, transcrire ça par l'écriture C'était assez passionnant à faire. Vous le disiez, on, on aperçoit l'éclatement, enfin le, le début de la, de, de la guerre en Ukraine euh, dans Déserté, mais elle, elle s'est produite, produite alors que vous étiez déjà en train d'écrire le livre, je crois. Elle, a, elle est venue percuter euh, l'écriture. De quelle manière elle l'a transformée Après, ça, ça peut paraître euh, un peu... Un peu idiot de dire ça, mais, mais ça a vraiment tout changé. Parce que euh, justement, ce, ce, ce retour de, de, de la guerre en Europe est dans des termes extrêmement liés justement au XXe siècle. C'est-à-dire que Vladimir Poutine parle toujours de dénazification de l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire qu'on retourne aux nazis 80 ans avant, cette, cette, cette image. Euh, euh, des nazis, de dénazifier, tous ces mots qui ont été tellement employés par l'Union soviétique euh, survit encore euh, en 2020 dans les mots de, de, de celui qui est un des chefs d'État les plus puissants du monde. Donc, il y a quand même une certaine. Enfin, euh, moi, ça m'a ça vraiment frappé, quoi. Ça, le, le, la persistance hein, dans, dans le discours de ces questions liées au XXe siècle. Et puis que. Euh, la Russie d'aujourd'hui envahisse un pays pour, euh, dans une guerre de conquête d'un pays qui avait fait partie euh, pendant 70 ans ou 80 ans de euh, l'Empire soviétique, pour le dire ainsi, c'est aussi, c'est pas rien. Et, mais, et pourtant, ça, ça me choque en me disant, jusqu'au dernier moment, je me dis, c'est pas possible. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à vraiment. Euh, – Le 23 février. Voilà, exactement. Je me dis non, il va pas le faire. Alors que pourtant moi-même, j'avais écrit dans un livre antérieur euh, que euh, bien sûr le, le, la Russie allait essayer de reconquérir un à un les éléments euh, de, de l'empire perdu. C'est seulement maintenant que vous vous inventez. Euh, oui, de bah, cette préscience ?– Mais, mais j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit, oui, évidemment, on sent bien que c'est ça le, le, le désir poutinien, on va dire bon, de façon comme ça. Mais euh, j'étais naïvement persuadé qu'il ne le ferait pas. Alors que pourtant, il y avait déjà des exemples qui montraient que c'était possible. Bref. Et, et puis, cette, voilà, pour moi, c'est une déflagration vraiment euh, de me dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire même pour un livre qui essaye de raconter le XXe siècle où, où est la guerre Et on voit tout de suite dans la guerre en Ukraine ce rapport qu'il y a. Euh, avec les autres conflits du XXe siècle, donc sur le plan idéologique, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur le plan purement militaire et technique, avec la Première. Notamment, ces histoires de tranchées, de lignes de front, de, de l'arrière, de. Bref. Et, et là, je me dis, mais ce qui manque réellement à mon, à mon récit, à mon histoire du XXe siècle, c'est l'expérience sensible de la guerre. C'est vraiment le, le, le destin, on va dire, des, des corps, quoi. Hein, ce. ce ce qui reste justement sur le, le, le corps de mon grand-père, pour le dire d'une façon un peu imagée. Et, et c'est là que je, je, je pense qu'il faut, disons, pas moduler, mais en tout cas rajouter à cette, à cette histoire du XXe siècle quelque chose qui ne soit pas historique, qui soit au contraire une façon d'essayer de, d'attraper un peu l'éternité de ce que c'est que qu'une possibilité de se débarrasser de la violence de guerre quoi. Voilà, un peu. Donc en se débarrassant des, des orip de ses vêtements de manière euh, directe ouais. euh, ce, que, ce que fait le soldat déserteur ouais. euh, euh, voilà, qui, qui fait ça, vraiment ça, se débarrasse de tout déserte, ouais. euh, déserte un présent euh, euh, et, et toute trace euh, qu'il pourrait avoir sur lui oui, oui, puis même, bon, là, on, on enlève, on ne sait pas où on se trouve, on ne sait pas quand, on reconnaît juste comme ça un peu le paysage méditerranéen et on, on, on essaye de, de laisser la guerre derrière soi. Et on conserve juste un, un fusil et toute cette partie-là du livre on cherche à, voilà, à voir ce, de quelle façon c'est possible de, de laisser la guerre derrière soi, qu'on soit un, un ancien soldat ou une victime de guerre. Euh, alors, ce sera mon avant-dernière question, et puis après, on passera à celle de la salle. Euh, mais donc, on, on lit dans déserté ce qui donne le titre de cette rencontre, qui est tous les fils de l'histoire paraissent rassemblés dans une main unique. Euh, Est-ce que c'est une métaphore officielle du, de, et très consciente euh, du roman Est-ce que euh, c'est est un moment pour moi, c'est vraiment un moment du roman. Il y a des moments, c'est ce qu'on appelait euh, en histoire autrefois les moments tournants. C'est-à-dire où on a l'impression comme ça qu'il y a un, un, une concordance, un, tout un ensemble de séries causales euh, qui semblent aller dans un sens, qui pourraient laisser croire presque qu'il qu y a un sens à l'histoire. Comme si réellement il y avait un, un moment où tout se croise, où, où tout le monde attend et où tout se dénoue dans un... Euh, Généralement dans une catastrophe absolue. La double Mais, page sur la montée des périls dans les livres de terminale. Voilà, voilà, exactement. Oui, ouais, tout à fait. Et, et là, on, on, on peut avoir cette sensation-là. Et oui, il y a un moment euh, où ça, ça peut être aussi une forme de métaphore du, du, du roman. Si je croyais que le roman était vraiment une forme de toute-puissance, ce que je ne crois pas du tout. Euh, on pourrait dire quelque chose comme ça. Mais non, moi, c'est plutôt ce qui, ce qui me passionne, c'est ces moments voilà, où il y a des espèces de, 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 de séries causales qui se retrouvent, et puis on ne sait pas pourquoi. Et là, euh, très précisément, c'est c'est le 11 septembre. -à, à ce moment-là, personne ne sait, quand on est encore chez nous le, le, le 11 septembre en Europe, avant 13h, euh, heure de Paris ou de Barcelone, Personne ne sait que le monde ne sera plus jamais le même à 13h30. Et, et donc le 11 septembre, il se trouve que moi j'étais à Barcelone. Tout le monde se souvient, hein, de, euh, même ceux qui n'étaient pas nés connaissent ces images. Et, et là, on comprend qu'il s'est passé quelque chose pendant les, les 20 dernières années où justement on a pensé que euh, l'histoire s'était arrêtée. Et là, on comprend qu'il y a quelque chose de souterrain qui a eu lieu sans qu'on s'en soit aperçu, une espèce de, de rivière souterraine très noire qui débouche comme ça sur, euh, sur cette explosion où ce, justement ce capitalisme triomphant qui disait ⁇ ça y est, c'est fini, l'histoire, on a gagné ⁇ se retrouve voilà, attaqué en, en plein cœur et, et blessé d'une façon très, très puissante. Et ça, ça va changer complètement, bien sûr, très directement. Euh, la vie de millions de personnes au Moyen-Orient, du jour au lendemain, mais aussi chez nous. Et, et puis ça va changer justement notre, notre idée de ce qu'est l'histoire. Et c'est le début du XXIe siècle. Voilà. Donc il y a ce, ce, ce moment-là. Et puis il y a un, un, un colloque de mathématiques sur un bateau de croisière à Berlin. Amarré. Amarré. <laughs> hein, euh, qui finalement est annulé euh, à cause de cet événement. Donc ouais, on, on voit aussi un peu toutes ces répercussions. Euh, euh, de ces événements qui sont liés aussi à une, à une transformation du monde qui fait qu'il euh, y a un peu une immédiateté dans les faits, qui est aussi quelque chose de nouveau en fait. Alors on a parlé des traces et sans doute est-il un petit peu tôt pour euh, évoquer cette question-là, enfin néanmoins la postérité, puisqu'on parle de l'histoire, la postérité, est-ce que c'est un sujet qui vous travaille même dans le secret de votre âme. La, la ma postérité. La vôtre, la vôtre ah oui. ouais, celle de votre œuvre, on en est là. Non, je n'y pense pas, non. Non, alors je sais que j'ai des, des camarades, même pour certains des amis, qui préparent leur œuvre posthume <laughs> un peu secrètement. Ils ont un tiroir dans lequel ils disent Ah, ça, c'est pas mal. Je vais le mettre dans, dans mon œuvre posthume. Je Et... <laughs> n'ai pas encore cette passion, mais ça viendra peut-être. Hein, pourquoi pas il, faut, il y a un moment, il faut y penser. Mais. J'en connais même qui font des, des, des règlements notariaux, des actes notariés pour euh, euh, régler leur... Euh, disons leur... leur post, oui, leur postérité littéraire et dire qui euh, devra s'occuper de, de prendre telle ou telle décision. Donc ça, ça, ça existe. Je, non, c'est pas encore mon cas. À 52 ans et quelques jours Je, oui. vis, euh, je vis au jour le jour. Je... Euh, je peux tout à fait euh, mourir demain, c'est arrivé à des gens très bien, mais, mais voilà, je ne pense pas du tout à cette postérité-là, non, pas encore. Merci beaucoup, Mathias. Si vous un... voulez diriger mon musée. On, on en parlera <rire> après. <rire> si vous avez des questions, il y a un micro. N'hésitez pas à vous en saisir. Merci. Merci pour, ce, pour cette entretien. Alors, je, je suis pas très doué pour poser la question, mais il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit. Sur la dernière que Madame Nyrist vous a posée, envisagez-vous de léguer vos documents à la BnF, c'est-à-dire tout, tout, ce tout ce que vous utilisez pour euh, pour écrire vos mmh. vos, vos, vos romans J'aime bien aller à la BnF voir ce qui se passe. C'est fantastique pour sentir ce que veut dire un écrivain. Enfin, ça, c'est un point de vue très personnel, et je trouve ça. Par rapport à ce que vous avez dit comme une idée, humaniste, entre guillemets, de léguer ça pour que tout le monde puisse en bénéficier. Après, c'est un, un, un point de vue très personnel. Et sur, sur déserter, alors je n'avais pas tout vu, c'est vrai que je me poser la question. Et le personnage qui déserte, à un moment donné, tue. Ouais. Et je me suis dit, quand il tue, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que l'instinct criminel, l'assassin, revient et ça en même temps il pour protéger une femme qui fuit et qui qui apparemment n'était pas dans le même côté que lui. Oui. Donc je me suis demandé ce, ce que ça pouvait signifier. Et sur euh, la RDA. Alors moi j'ai aussi comme un espoir parce qu'à la fois il y a tout ce qui est tout ce qui est raconté sur euh, la souffrance a eu en RDA comme 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 intellectuel, mais en même temps les, dans de ce, ce que je me souviens d'avoir lu une sorte de d'espoir dans, dans, dans ce que pouvait promettre la RDA. Et sa compagne qui vit euh, en Allemagne de l'Ouest est au SPD. Donc mmh. le, le miroir de l'espoir. Je ne sais pas si j'ai. Si, je me suis oui. posé cette question. Oui, oui ben, je me l'ai posé aussi, figurez-vous. Euh, euh, dans l'ordre, alors pour ce qui est du. du du leg, oui, pourquoi pas Je vous dis, je n'y ai pas encore pensé, mais il y a des institutions qui, qui s'occupent de ça. Vraiment, il y a l'IMEC, par exemple, à Caen, euh, l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, qui récupère énormément de, de, voilà, de, de documents euh, d'écrivains qui sont consultables ensuite par les chercheurs. Et selon ce que décide le... Parce qu'il y a aussi, là, il y a un temps, c'est-à-dire qu'il y a des papiers dont on souhaite qu'ils ne soient accessibles que 20 ans après la mort, bref. Et d'autres, euh, puisqu'ils peuvent mettre en, disons, parler de personnes qui seraient encore en vie à ce moment-là. Euh, il y a aussi la BNF qui accueille tout ça. Moi, j'avoue que je n'ai pas du tout euh, réfléchi à ça, mais ce serait peut-être bien que je le fasse. Ce serait peut-être bien que je le fasse, d'ailleurs. Je pense que la bibliothèque de Niort peut-être serait intéressée. Euh, voilà, exactement. <laughs> mais. Euh... Pour en revenir à, à, à déserter oui, effectivement, en fait, Déserté, c'est l'entre-deux-guerres un peu. C'est le moment, enfin, pour qui qu'est la, la partie du, du déserteur, proprement dit. Il, il essaie de quitter la guerre, mais pour le faire vraiment, il va falloir justement qu'il s'intéresse justement à, à autrui, à celle qui n'était pas dans son camp, et même qui finissent par la défendre, c'est-à-dire un peu une espèce de transformation absolue qui va, qui va l'amener voilà du, côté d'une certaine forme de justice en fait. Euh, et puis pour la, pour la RDA, oui moi ce qui m'a ce fasciné c'est de voir que euh, bon, bien évidemment encore aujourd'hui mais mais à l'époque à la fin des années 80 il y a encore des intellectuels de bonne foi parce qu'on pourrait envisager une certaine mauvaise foi liée à des intérêts très très précis, euh, mais il y a des intellectuels de bonne foi qui pensent que le... les aspects négatifs de la RDA étaient juste un moment nécessaire dans la lutte contre le capitalisme pour parvenir euh, à, à vaincre et donc à amener le, le, le bien euh, sur l'ensemble de la Terre. Euh... Alors, on peut, on peut se dire que c'est très très difficile de maintenir une position comme ça, et, et pourtant il y en avait qui croyaient, c'est une espèce de l'ordre de la foi. quoi Ceux qui croyaient vraiment complètement, euh, à mon avis, à, à la fin, enfin euh, à la toute fin de l'Allemagne de l'Est, ils étaient quand même très méritants hein, parce que. Le, le régime était quand même dans un état de déliquescence particulièrement avancé et on voyait bien que de là ne sortirait pas du tout de progrès pour l'humanité. Euh, de la même façon en Union soviétique à l'époque. Mais néanmoins, l'idée reste, et c'est ça qui est beau, c'est que l'utopie, elle n'est pas dans un, dans, dans un endroit concret, justement, elle est, elle est dans un, quelque part ailleurs. Et, et donc ce que promet... Le socialisme, c'est ailleurs, ce voilà, qui, qui viendra toujours euh, ailleurs dans le temps, voilà, qui viendra plus tard ou ailleurs dans l'espace. Voilà. Et, et c'est ça, moi, j'ai trouvé absolument fascinant, et, et dont on parle plus beaucoup aujourd'hui, c'est vrai. Euh, et pourtant, c'est des millions d'hommes qui ont cru à cette possibilité-là. Bon, merci. Je vais la petite histoire. Vous parlez de votre grand-père qui vous a apparemment marqué tout ça, mais assez curieusement, je trouve, vous ne parlez pas de votre famille, de votre père, votre mère, du milieu dans lequel vous êtes, euh, que vous êtes né, euh, je ne sais pas, enfin, de quel milieu c'était. Et puis euh, euh, ensuite sur euh, comment vous avez fait pour euh, publier, etc. Parce que c'est pas c'est pas facile de trouver, euh, je sais pas, un éditeur et tout enfin. ça, quoi. Et puis, et puis votre passion un petit peu pour euh, l'Orient et tout ça, et puis un peu avec euh, l'Allemagne la, et tout ça, qui est un peu euh, curieux, que je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous parler d'un peu tout ça Je sais pas. Vous voulez qu'on recommence <rire> 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 euh, Alors, pour ce qui est de ma, ma, mon, mon histoire personnelle, moi, je viens de... Je suis un pur produit de, de classe moyenne. Euh, ma, ma mère... Aujourd'hui à la retraite, j'étais orthophoniste. Mon père travaillait dans le social. Et il et, n'y et a rien de... C'est vrai que j'ai pas. Euh, J'utilise pas trop de données biographiques ou autobiographiques dans mes livres, très rarement. Peut-être par une forme de, de pudeur, puis surtout parce que je pense que ça manque foncièrement d'intérêt. En fait, en vrai, euh, toutes les vies ne sont pas passionnantes. La mienne n'est pas vraiment, en, en réalité. Euh, à part justement ce qui vous ce qui raccroche un peu à un destin collectif, comme ce que peut être l'histoire de mon grand-père ou de ma grand-mère, que ça, si oui, je vais le raconter. Euh, j'ai déjà commencé un truc, mais je n'ai pas encore trouvé vraiment la, la forme de le faire, la forme pour le faire. Et, et puis ma passion pour le, le, le monde arabe, c'est peut-être justement parce que j'ai grandi euh, dans l'ouest de la France, à Niort. J'ai eu vite le goût des lointains. Euh, C'est peut-être quelque chose que je dois justement à, au, au très grand calme euh, de cette région et de cette ville, que de m'avoir donné envie non seulement de lire pour me désennuyer, mais aussi de, de voyager euh, et de partir loin. Et, et en fait, le. le, le le monde arabe, c'était un rêve, mais ne connaissais absolument rien. Je n'étais jamais allé. Je... Mais le, le, la littérature arabe, là, euh, les images que je pouvais en avoir, euh, me passionnaient. Et donc, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à apprendre l'arabe. Et là, oui, je passais pas mal de temps, principalement au Moyen-Orient. Et puis, pour la. Euh, c'était quoi la. La publication. De... La publication. Comment vous j'ai envoyé mon livre par la poste rien de alors moi j'avais ce rapport justement au monde arabe et comme le roman s'intéressait euh, à la guerre civile libanaise et qu'il avait il devait beaucoup à d'autres auteurs libanais qui avaient évidemment euh, écrit sur ce sujet et que tous ces auteurs étaient publiés dans la même maison d'édition française qui s'appelle acte sud je me suis dit je vais envoyer mon manuscrit à acte sud et et j'étais tout à fait persuadé que ça, ça ne pouvait que aller là. Et donc j'ai reçu une, une lettre euh, quand j'ai envoyé mon manuscrit qui m'a dit si dans trois mois vous n'avez pas de nouvelles, ce manuscrit s'autodétruira dans nos caves. Et c'est ce qui s'est produit. J'avais pas de nouvelles. Mais j'étais naïf. Et donc je me suis dit bon, c'est qu'ils ne l'ont pas lu. Je vais le renvoyer. Et je l'ai renvoyé une seconde fois en mettant soit ci un nom sur l'enveloppe. Et là, ça a marché. Donc, oui, comme quoi il faut persévérer. Et... Croyant et... la poste. Oui, voilà. À l'époque, il y avait euh, il y avait des, des postes, avait des timbres, tout ça. Et des... euh... Maintenant, je pense qu'on envoie plus les manuscrits par mail. J'en sais rien, mais à l'époque, c'était encore euh, entièrement en, en papier. Donc, ça faisait des tonnes et des tonnes de papier. Donc voilà, ça s'est passé tout simplement comme ça. Attendez, le, le micro arrive. Okay. Merci, professeur. Euh, vous avez tout parlé de, 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 de les mains de l'Est, puis euh, les Liban, la Syrie, et puis euh, l'Iran aussi. Ok, merci. Alors, la toute, pesque, la toute petite question que je voulais poser, est, par rapport à vos. À vos lecteurs, est-ce que et quel quel impact que vous avez, disons, de vos le, le lecteurs et comment est-ce que vous le citiez Est-ce que est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vous lisent, beaucoup plus d'hommes De quelle classe Est-ce que c'est des investisseurs Est-ce que c'est des grands publics Est-ce que voilà Est-ce que et, alors, et comment est-ce qu'ils vous ont et, Mais comment est-ce qu'ils ils ont ils ont analysé vos, vos romans Comment est-ce qu'ils ont critiqué qui était nerveux. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous, nous clarifier ça. Merci, merci. Euh, ça, c'est absolument fascinant comme, comme question, même si ce n'est pas facile d'y répondre. C'est parce que qu'est-ce que c'est euh, Comment est-ce que moi, je peux savoir exactement qui me lit Mais en fait, je ne peux pas. On sait combien on vend de livres, plus ou moins, mais on ne sait pas combien de personnes en lisent d'abord. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent lire un même livre. Et ensuite, on peut avoir des statistiques. Tout à fait général sur euh, combien de femmes lisent des livres, combien des hommes lisent des livres, mais pas sur un livre concret et précis. C'est extrêmement difficile de savoir. Donc, qu'est-ce qu'on sait On voit à peu près les gens quand on les rencontre. C'est-à-dire que j'ai la chance de, de pas mal me, m, être invité dans des librairies en France pour parler de mes livres, et là, on rencontre des ou dans les, les salons du livre. Euh, on rencontre des lecteurs ou des lectrices qui vous disent, euh, ah j'ai aimé celui-ci, j'ai ai, ai pas aimé celui-là, mais on sait pas vraiment en fait, hein, ni euh, qui ils sont, euh, ni pourquoi est-ce qu'ils apprécient vos, vos livres ou pas, sauf dans un cas très précis qui est le lycée ou le collège, où là, on force une classe entière à lire. De vos livres, généralement courts. Euh, et là, vous avez vraiment les réactions d'à peu près toutes. Mais c'est des gens qui sont par définition jeunes, qui n'ont pas lu beaucoup, beaucoup de livres et qu'on force à lire un livre. Donc, ça ne donne pas toujours les réactions souhaitées. Il euh, y en a qui peuvent aimer le, le livre. D'autres que ça laisse totalement indifférent, et d'autres qui peuvent détester être obligés de lire ce truc-là. Donc, le, le lecteur est par définition un peu insaisissable, en fait, hein, le lecteur ou la lectrice. Mais j'ai l'impression que c'est un peu chaque livre euh, qui. Mes livres sont assez différents, et donc mes lecteurs et mes lectrices sont assez différents aussi. Et il y a à la fois des, des gens jeunes pour certains livres, des gens plus âgés pour d'autres. Mais c'est toujours assez divers selon euh, ce que raconte en réalité euh, le, le roman, ce qui est tout à fait logique aussi. Et puis après, il y a des lecteurs euh, qu'on croise, qu'on connaît depuis longtemps, qui reviennent et qui, eux, ont une autre vision, ils s'intéressent à, à l'œuvre au sens où ils s'intéressent, ils sont curieux de voir ce que je vais faire après. Ils lisent un livre, ils disent alors euh, on attend le prochain avec impatience parce qu'ils veulent c'est une pièce de curiosité de se dire un peu comme voilà comme on attend euh, euh, une chanson ou ouais, un prochain disque d'un chanteur. Donc il y a vraiment énormément de cas de figure très différents et c'est vrai que c'est la partie un peu finalement le lecteur ou la lectrice c'est la partie la plus presque la plus mystérieuse du du métier. Quoi. Pardon, je me, je me permets d'ajouter une question corollaire. Est-ce que vous, quand vous écrivez, vous avez en tête une espèce de lecteur ou de lectrice imaginaire rêvé, une espèce d'adresse Non, pas du tout. Ou un de vos camarades d'auteur. Euh, euh, je sais par exemple que les. Euh, que, quand Patrick Deville, Jean Echnoz et les Roland écrivent, ils ont un petit peu les uns les autres en tête. Ils s'envoient des balises. Est-ce que vous, vous avez des. Est-ce que voilà, vous, vous vous adressez de manière un peu générique ou vous avez quelqu'un en tête Non, euh, non, j'ai pas vraiment de, de lecteur imaginaire. Non, c'est quelque chose qui est pas présent dans l'écriture, en fait. Euh, bien sûr, il y a forcément plus ou moins un destinataire de ce qu'on est en train de faire, mais je pense à mes traducteurs parfois. Ça, oui. Le début de la postérité, ça. Oui, je pense à mes traducteurs parce que je me dis alors là tu vas en baver, hein, là, <laughs> et parce que certains sont des amis proches et je me dis oh là 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 ça ça va pas être facile. Mais mais c'est à peu près tout, même ouais. pas. Enfin j'ai pas vraiment de, de, de lecteur concret en tête non. Mesdemoiselles. Ça. Très se, se lancer dans la littérature, notamment euh, tout ce qui est autour de l'histoire. Euh, moi, je pense que le, le premier conseil, c'est qu'il faut lire. D'accord. Premier conseil, c'est qu'il faut lire, lire et lire. Et après, qu'il faut essayer de perdre la peur qu'on a à écrire et euh, essayer de gagner de la, de la confiance en soi. Il ne faut pas renoncer, quoi. C'est très facile, parce qu'il y a des moments pénibles dans l'écriture. C'est pas, c'est pas une espèce d'immense passion qui vous emporte comme ça pendant des mois sur 500 pages où chaque jour vous êtes genre, non, il y a des moments où c'est ardu, quoi, tout simplement. C'est comme ce qui demande vraiment de la régularité. Euh... Bah, c'est comme quand il pleut, vous n'avez pas envie de sortir faire votre jogging, pourtant vous le faites. Bon, ben voilà, il y a des matins comme ça hein, dans l'écriture aussi. Des matins où il pleut, des matins où il fait froid. <laughs> Euh, des matins où on se sent absolument nul, où on se dit qu'est-ce que c'est que ça que je suis en train de faire, bref et il faut passer outre persévérer en fait et puis voilà se, se, se faire confiance, persévérer et persévérer tant qu'il y a du désir de la passion, si ça vient juste de l'amertume et de la souffrance, qu'il y a un moment où il faut se dire bon, c'est pas pour moi mais, mais non, je pense que c'est voilà, d'abord Lire beaucoup et pendant qu'on lit beaucoup, essayer d'écrire le plus possible et d'avancer, voilà, sans, sans sans peur et et avec une certaine constance, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Euh, J'avais aussi une petite question euh, en tant que lectrice euh, voilà régulière euh, et en tant que grande lectrice. Euh, on se permet quelquefois d'écrire. Euh, de temps en temps quelques petits textes pourquoi pas commencer un roman mmh. mais euh, on a souvent tendance à vouloir euh, à tout prix euh, se reconnaître dans ce roman et donc euh, par conséquent à parler de soi. Donc moi ma question c'est comment se détacher de ses œuvres et euh, de vraiment produire quelque chose qui soit nouveau. Alors, ce pas parce qu'on parle de soi que c'est pas forcément nouveau, mais je comprends ce que vous voulez dire au sens où euh, bah, c'est peut-être justement là où il faut commencer à avoir un projet. C'est-à-dire non plus d'écrire comme ça, euh, euh, au jour le jour, des trucs qui peuvent vous venir, hein, mais de construire vraiment un projet en disant, mais je veux raconter quoi en fait Qu'est-ce qui m'intéresse Je veux aller de là à là. Comment Je veux que ça commence comme ça et surtout que ça finisse comme ça. Et une fois qu'on a un projet comme ça, quelque chose qui, qui, qui ressemble un peu à une, à une maquette imaginaire de ce que pourrait être un roman futur, là, on, on sait qu'on peut avancer vers quelque part et on va s'éloigner de juste des notations qui seraient de l'ordre un peu du, du journal intime ou de, de se parler à soi-même. Non, là, on va vers un, un, un autre projet qui, qui justement, parce qu'il est un, un peu construit, peut prendre une autre dimension, à mon avis. Le vrai problème, c'est... Euh, on se dit, bon, alors aujourd'hui je vais écrire. Bon, puis on se met devant l'ordinateur, et en fait on n'a rien à dire, c'est normal. Donc, comment est-ce qu'on fait Il faut qu'on sache ce qu'on va écrire. Donc, il faut que ce soit dans, à l'intérieur d'un projet dans lequel on a réfléchi à, à des lieux, des personnages, des actions, tout ça, même si c'est juste dans la tête, en rêve, euh, en prenant trois notes sur le téléphone. Mais au moins, ça fait un espèce de plan, un peu comme, comme une carte d'un monde dans lequel on va pouvoir développer son récit, ses histoires, ses personnages, et on sait où on va. Et là, quand on s'assoit devant l'ordinateur, ben, on sait. On dit aujourd'hui, ah, il faut que j'écrive ça. Et c'est ça qui est vraiment, je pense, important dans le. Euh, et je sais qu'il y, y a beaucoup de, de, de jeunes, notamment, qui se découragent parce qu'ils disent Ouais, mais je ne sais pas quoi écrire. Ben, c'est normal, moi-même, si je ne savais pas quoi écrire. Euh, je rien ne me viendrait, il n'y a pas un, tout une espèce d'opération magique comme ça, d'inspiration qui vient. Oh. Euh, non, c'est qu'il faut qu'on ait un peu conscience de ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, le mieux, c'est quand même de préparer un peu les choses, même si c'est juste dans sa tête, de dire, bon, mais je veux aller là, j'aimerais bien raconter ça. Et puis, on a aussi un peu commencé par le, le bref, quoi. Envisager un roman, un roman, c'est long. Euh, ça demande quand même pas mal de temps, une certaine constance justement. Pour bon, comment envisager un petit récit d'abord, 20-30 pages, qui justement en se donnant un peu des contraintes, on se disant, bon, je veux pas que ça parle de moi, je veux que ça parle de telle ou telle ou telle chose qui m'intéresse, que ce soit euh, loin, proche, ça c'est pas la question, mais se donner un, tout, un premier petit projet comme ça, et puis on est content parce qu'on se dit ah voilà, ça j'ai réussi à le faire. On se relie et le surlendemain, on dit oh c'est nul. Bon. Euh, on passe à autre chose, on efface, et voilà. Mais on avance quand même. Et, et c'est là où je parlais de persévérance, c'est de se dire bon, je trouve pas ça abouti, je ne trouve pas ça bien, mais j'ai quand même terminé quelque chose. Et terminé dans des termes que je me suis choisi moi. Et donc après, quand on a des projets plus amples, plus ambitieux, en se disant bon, euh, Là, je pense que je peux commencer. J'ai la possibilité de pouvoir finir, en fait. C'est ça qui est important. Euh, commencer un roman, on peut tous le faire. Le finir, c'est plus compliqué. Et, et pour ça, c'est bien d'avoir voilà, un projet, en fait, quelque chose qui vous aide, sur lequel on peut s'appuyer. Je me souviens, c'était Philippe Jean, un, un romancier français, qui disait ça dans un livre. Un, un livre qui s'appelle « Échine, qui n'est pas un roman très connu de Philippe Jean, mais où il y a cette, cette métaphore c'est souvent des personnages d'écrivains, lui, qui l'utilisent. Et donc là, c'est un écrivain qui dit Écrire un roman, c'est comme faire décoller un très, très gros avion. Euh, quand on voit l'avion arrêter sur la piste, on dit que ça n'a aucune chance de se produire. Aucune. Cette chose énorme ne peut pas s'envoler. Et pourtant, en lui donnant de la vitesse, en le lançant, en le mettant sur la piste, ben, ça finit quand même par voler. Et ça peut vous emporter très, très loin. Donc Ça, c'était une, 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 une métaphore qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé quand j'avais euh, encore rien écrit et que je me disais que je n'y arriverais jamais. Ouais, C'est un peu comme ça, quand on voit un avion comme ça, on qu'il a vraiment peu de chances de décoller. Quoi. Une, on dit une dernière question Une dernière question. -moi, je, je vais par... Dans le prolongement de la question sur le lectorat, je me suis demandé si vous, étiez, si vous lisiez les critiques des, des littéraires, enfin le monde des livres, Transfuge, et ce que vous, vous en faisiez, si ça vous aidait ou si ça vous blessait ou si vous ne lisez pas. Certains, certains auteurs ne lisent pas. Ah, mais alors. Et, ça, ça et la deuxième question, c'est je vous entends sur France Culture, sur l'entretien, donc je trouve, ça nous, ça, on oublie tout, on écoute. Dans la construction de l'émission, et je me suis demandé si, à un moment donné, la structuration de l'émission, il y avait une similitude à faire sur la structuration de vos romans. Euh, alors, pour commencer par la fin, non. Non, c'est plutôt une similitude avec la, la, la construction du roman de celle ou celui que je suis en train d'interviewer. C'est plutôt le roman en question qui, qui guide la façon dont moi je vais conduire mon entretien. Euh, après... Raphaël, est-ce que vous pouvez vous boucher les oreilles okay. voilà. <laughs> euh, Les critiques littéraires, qui, sur mes propres livres, je ne les lis pas vraiment. Je les, je les survole comme ça. D'abord, ça me fait un peu ça fait une sensation un peu étrange, mais j'ai la chance d'avoir une, une attachée de presse absolument magnifique qui me, me raconte il oh, s'est passé ça, ça, il y a ça, je te l'envoie, je l'envoie, je regarde, j'ouvre un peu le, le PDF, je regarde pas. Je, je, pas, mais il y a toujours des gens pour vous dire. Euh... Mais c'est vrai que c'est pas les, mes textes préférés, c'est pas les, les critiques qui parlent de mes livres. Ça ne veut pas dire que ce... j'ai la chance que, enfin, euh, d'avoir d'excellentes de, de, critiques. Euh, donc c'est pas une question de, qui dit du bien ou du mal, c'est pas ça. Mais je sais pas, ça touche un peu... Euh, oui, ça, ça doit me, me toucher. Et donc, euh, je préfère pas trop, trop le lire, même si... Voilà, J'aime pas trop les... Ni les compliments, ni tout ça, je, je lis pas vraiment. Merci. Je vous en prie. Bien, merci beaucoup, Mathias. Merci à toutes et tous, et bonne soirée. Merci, merci, au revoir. Merci. <laughs>